Poufouf YouTube, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on a tous vu la mitrailleuse suivre l'hélicoptère. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, est-ce qu'il va tirer? Je ne pense pas. Normalement, c'est un hélico allié. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin, je pense, du solo Arma 3 Tank qui nous demande de défendre le flanc est. Excusez-moi. Du coup, on va y aller. On va pas perdre plus de temps que ça. On est bien évidemment sur Arma 3, c'est bien évidemment le solo du DLC Tank. Hein, je pense que là, vous l'avez forcément tous compris. Et c'est très 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 sympa. Et c'est pas forcément le meilleur solo du jeu. Mais ce qui est sympa, c'est que à chaque DLC, ça se renouvelle un petit peu. Pour Apex, on était sur Tanoa, c'était tout nouveau. Pour Love War, on était une sorte de journaliste, etc. C'était vachement sympathique. Enfin, on suivait un peu l'histoire d'un journaliste. C'était vraiment très cool. Et là, pour ce DLC Tank, on est dans des tanks. Et on va dire, bah voilà, ça fait plaisir. Moi qui joue rarement avec des tanks sur Arma 3, c'est un petit peu le genre de truc qui fait plaisir. Alors là, on va essayer d'aller aider les poteaux. Voilà. C'est quoi, c'est un tank devant ça? Ouais, il y a un tank. Oh là. Ah, je pense qu'il est déjà détruit à mon avis. Merde! Merde, il y a un tank derrière nous! Tire-lui dessus! Merde, il est où? Il est où? Il est où? Non mais je reviens pas, c'est quoi ces bites de coucou? Non mais on est 25 dans mon tank, y en a pas un qui avait vu qu'il y avait un tank qui nous tirait dessus. Oh là là. Quelle bande de prank. Je vous jure, attends, on va essayer de réparer. Mais attendez, vous vous rendez compte de... Arrête de bouger, tu vas me tuer! Arrête. Oh putain, je vais le sortir, je vais le défoncer. Ouch. Faut que je me soigne. Putain, merde. Attends, je peux peut-être le réparer. C'est l'hélico qui nous a tiré dessus, là. Et j'ai trois gars à l'intérieur. Un conducteur... Un tireur, tout ce que vous voulez. Y'a personne qui tire. Putain. On n'a plus d'essence. Mais non. Mais non. Mais non. Il n'y a plus d'essence dans le bousin. Qu'est-ce qu'il fait l'hélicoptère là? Qui c'est qui nous tire dessus là? Attendez, y'a un gars qui me tire dessus. Ça vient d'où? J'en reviens pas. Et on fait quoi dans cette situation qu'on a plus d'essence? Ouais, il fait D360 619. Mais non. What the fuck? Et qu'est-ce qu'il fait lui?
Il fait l'hélicobite. Allez, je te calme, garçon. Ouais, il faisait l'hélicobite. Je suis pas trop... Bon, on est bien avancé, nous tous, dans tout ça. Bon, écoutez. Une idée? Ah, c'est parce qu'il n'y a plus de rotor de queue qui tourne sur lui-même. Ah bah, faut prendre soin de sa queue, hein. Ça, c'est... Forcément, si tu prends pas soin de ta queue, c'est des choses qui arrivent, hein. Bah, écoutez, on continue à pied. Voilà, j'ai envie de vous dire... oui. Oui, oui. On continue à pied. Alors, normalement, on était censé rester à l'intérieur. Mais, comme il n'y a plus d'essence, Dédé, il a oublié de faire le plein cet après-midi. Bah, voilà, je sais pas quoi vous dire. Plus d'essence, on va y aller à patte. Non mais la queue c'est important, hein. On sous-estime trop souvent. Voilà, on se dit ouais non c'est pas grave. Bah si justement, sinon tu fais 360 comme ça. Bon bah écoutez, en avant. Oui, il y a 1 km 2 à faire. Enfin je sais pas trop si le mieux c'est que je recommence la mission ou pas. Si je tombe sur un seul char, je suis mort. Attendez. Je pense qu'on va devoir relancer la mission. Je pense qu'on va devoir relancer la mission. Parce que je n'ai pas de char. Et ça va être difficile. Bon, du coup, je recharge d'ici. Je pense que j'ai assez d'essence pour finir la mission. Faut juste que j'évite de me perdre bêtement. Il y a 2,4 km, normalement on a largement assez. Donc on est parti. Hop là. Attendez. Putain. Voilà. Donc, on est parti. On va aller libérer cette foutue ville. Parce que j'ai fait une petite ellipse où j'ai cherché où il y avait de l'essence. Je pense qu'il n'y a pas d'essence ici. On a un plein et puis c'est tout. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un hélicoptère qui fout le bordel. Va falloir que j'essaye de m'en occuper rapidement de lui. Sinon, sinon, bon, on verra un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe. Pour le moment, ça va. Faut que je fasse gaffe aussi au tank qui était derrière moi, souvenez-vous. Allez, vas-y, pépère. Faut que je fasse gaffe au tank. Et à ce foutu hélicoptère, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un tank qui était apparu derrière moi, je l'avais pas vu. Ah, regardez, c'est l'hélico là qu'il faut que je défonce. Lui, il est tellement chiant. Allez! Parfait. Écoutez, pour le moment, c'est propre. Pour le moment, c'est propre. Parce qu'il m'avait bien emmerdouillé. Voilà, ça aussi, c'est propre. Parce que sans essence à pied, j'aurais jamais réussi. Hein. Là, c'est vraiment une guerre de blindés. Être à Patounet, c'était pas la meilleure des idées. Là. C'est vraiment le char du futur. Ouais. Arta, bon appétit, chouchou. Merci d'être passé, c'est cool. On se retrouve demain, du coup, ceux qui s'en vont. YouTube, comme d'hab, si l'épisode vous plaît, pensez à le liker. Et je pense que c'est peut-être le dernier épisode. Je pense qu'on va finir le solo. Donc vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce solo. Savoir si il répond à vos attentes ou pas. Personnellement, je le trouve un peu plus fun que les autres, étant donné qu'on est dans un tank. Ouais, je sais, je sais. J'ai bien visé, t'as vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. Courez, messire, courez. Oh le bâtard. Putain, il s'est retourné, il m'a mis une roquette. Merde. Le moteur est mort, le moteur est naze. Je répète, on n'a plus de moteur. On a de l'essence, on n'a plus de moteur.
Ok, on a un souci. Le moteur a été touché. J'informe notre aimable clientèle de ceci. Yobisuke ! Bienvenue, merci pour le sub, ça fait plaisir. Attends, je me fais tirer dessus ! Merci pour le sub, ça fait plaisir. Bienvenue dans le clan. Merci pour le soutien. Oh non, je veux pas mourir ici. Oh non, c'est trop injuste. Attendez, on peut échouer cette mission ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, donc en fait, t'es pas obligé de réussir les objectifs pour réussir la mission. Parce que là, on a merdé, on est d'accord, on a plus de tank. Mais ça a mis mission accomplie. Comme si on ne pouvait pas gagner. Une tentative louable. Toutefois, nous avons rapidement été dépassés et l'ennemi a empêché l'évacuation du CESAT. Espérons qu'ils oublieront cet échec et nous soutiendront dans les jours à venir qui s'annoncent difficiles. D'accord. D'accord. Moi, je pensais que... c'était marche ou crève, en fait. Genre, enfin... c'était... fallait mieux que tu réussisses, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est de la faute à SFR, je pense aussi. J'ai survécu à l'ultime bataille. Nos chances étaient minces, nous avons fait de notre mieux. Ah, oh, c'est trop beau. Comme c'est beau. All sides suffered devastating losses, but we came off the worst. Over a third of our forces were either dead or wounded. Ça a été difficile. C'est pas ma guerre, mon capitaine. Vachement propre comme solo. Ouais, cristalline, c'est mon eau, je sais, Mathis. C'est pas de la cristalline, mais bon. We destroyed them. Not a single one was captured. Quant à ces chars Angara, nous les avons détruits. Pas un seul n'a été pris. C'est vrai. J'étais là. Et vous? On dirait un spot pour le recrutement de l'armée. We were rounded up and taken to an internment camp. Ah. Ils ont été capturés, ils ont été envoyés dans un camp. Avec la musique triste, je vais me mettre à pleurer. C'est trop triste. There, the guerrillas worked with Nate. Ah, il manque un L. Les insurgés ont aidé l'OTAN à débusquer les criminels de guerre qui avaient survécu parmi nos rangs. Ils ne sont pas intéressés à moi, simple commandant de char. Après 2 mois, on nous a relâchés. J'ai quitté l'armée pour rentrer chez moi et laisser cette guerre derrière moi. On a débloqué un succès, je pense que c'est la fin. Oh, trop stylé avec le chien. Ça va ! Oh là là, c'est classe ! Eh, quand même, hein ! Quand même, hein. Ils savent faire des solos, hein. Yojan, bienvenue. Moi, j'aime bien. Écoutez, c'était fort sympathique. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit à la fin, mais ouais, on a fini. Eh bien, écoutez, nous avions un objectif que je m'étais, on va dire, pas forcément imposé, mais où je m'étais dit, bon, il y a un objectif à faire quand même. J'avais dit que je finirais le solo, ce serait bien au moins de le commencer. Ben, écoutez, c'est fait. Alors, vite fait, à titre d'information, il m'a fallu... moins de 3 heures pour faire Altis Requiem, composé de 3 missions, sans horizon, force d'incursion et ultime défi. Rien d'impossible à faire, plaisant du début à la fin, c'est passé assez vite, en plus j'ai pas vu le temps passer. Twitch, vous me direz, et YouTube, j'espère que la petite série vous a plu. Ben écoutez, nous on cesse là-dessus pour cet épisode. Épisode du coup final de mon let's play sur Altis Requiem. N'oubliez pas la playlist en description et le petit partenaire Instant Gaming pour ceux qui veulent s'acheter le petit Arma 3. Bien cool, bien sympa, je vous le conseille. Pour faire simple, ça ajoute quelques tanks, excusez-moi, 2 ou 3 tanks je crois, 2 légers et 1 lourd.
une tenue de char et un solo. Et du coup, les chars là, ont vraiment, enfin l'intérieur des chars est entièrement refait, c'est beaucoup plus réaliste, je pense. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment stylé. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous allons nous laisser là-dessus. Nous avons fini le let's play sur le solo du DLC Tank. On peut s'applaudir, on cesse là-dessus. Bisous, tchou-tchou. Et merci à Biscay, Last Sub, ça fait plaisir. Salut.